It is the 41st millennium. For 10,000 years, the Imperium has dominated the galaxy. There is only war. Every human soul, from the most highborn lord to the most basic servitor, is dedicated to the service of the God Emperor of mankind. The Imperium's battle fleets and armies, from the conscripted soldiers of the Astra Militarum to the elite space marines of the Adeptus Astartes, keep humanity safe from alien threats and cosmic horrors beyond imagining. But there is another war. It is the one in which I serve. Attention. Commence warp translation. Not one of battlefields and fleet engagements. It is waged by the dedicated agents of the Imperial Inquisition. It is fought in the cities and hives of the Imperium. In the back streets and the forgotten sublevels. In hive cities like Tertium. We are surrounded! For if the Inquisition fails, if we fail, the Imperium falls with us. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette introduction est pour moi l'une des introductions parfaites pour commencer l'univers de Warhammer 40 000, et c'est tout le sujet de cette vidéo, présenter l'univers de Warhammer 40 000, ce qui est une tâche assez difficile, hein, j'en conviens. Et donc on va revenir un petit peu sur ce qu'est Warhammer 40 000, les différentes races qui composent l'univers, et en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est que comme vous l'avez vu avec cette cinématique, on va commencer par l'Imperium. Alors, l'Imperium, c'est l'Empire de l'Humanité, mais petit point d'abord, pour rappel quand même que l'univers de Warhammer 40 000, c'est un univers qui est assez vieux et qui, notamment, eh bien, avec cette introduction, marche très bien encore une fois pour présenter l'univers. Mais c'est un univers qui, comme vous le voyez, est très sérieux, très profond, et pourtant un univers qui malgré tout est profondément, j'allais dire parodique, mais surtout satirique, puisqu'il y a une grosse dose d'humour cachée sous toute cette couche de sérieux, puisque en l'occurrence, l'univers de Warhammer 40 000 et Warhammer Fantasy d'ailleurs sont à l'origine d'un univers à part qui s'appelle tout simplement le Grimdark. Le Grimdark, c'est quoi? Le Grimdark, en anglais, hein, globalement, c'est plus sombre que noir ou plus sombre que sombre, et qui est un terme qui avait été utilisé par notamment les créateurs de Warhammer 40 000, que sont Rick Priestley et Andy Chambers sur la deuxième version de Warhammer 40 000, qui sont les deux grands architectes, avec d'autres, hein, des équipes bien entendu de Game Workshop, mais qui sont les deux grands artisans de l'univers de Warhammer 40 000 tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc comme on l'a dit, aujourd'hui on va commencer par l'Imperium. Ce qui est bien avec cette cinématique, c'est qu'elle a permis aussi de vous introduire un petit peu les personnages, au niveau de l'humanité plutôt, les différents types d'humains, et notamment les parties prenantes, j'ai envie de dire, de l'Empire de l'Humanité. Comme vous l'avez entendu, l'Imperium ou l'Empire humain domine la galaxie. Ça fait 10 000 ans, puisque globalement l'univers de Warhammer 40 000, le 40 000 sous-entend 41e millénaire. Attention d'ailleurs, j'en profite pour débunker tout de suite et j'en reparlerai en fin de vidéo, mais ce n'est pas le futur de Warhammer Fantasy. Je tiens à le rappeler, puisqu'il y a beaucoup de points communs, etc. Ce n'est pas le futur de Warhammer Fantasy. Vraiment très important, c'est une idée qui est beaucoup trop répandue. Mais non, ce n'est pas le cas.
En l'occurrence, donc, l'Imperium et l'humanité dominent la galaxie en l'an, enfin, au 41e millénaire, ce qui fait que, forcément, on parle de milliards d'individus, qui vient du simple civil humain, qui doit servir justement cet empire et cet empereur, jusqu'aux Space Marines, que vous voyez, hein, le colosse gigantesque qu'on va aborder un petit peu après, sachant que je vais faire une vidéo complémentaire à celle-ci, où on traitera uniquement l'Imperium. Donc là, je vais aller très vite, mais globalement, l'humanité, en tant que première puissance de la galaxie, est forcément très riche en différences, en différents types de soldats, etc. Donc on reviendra sur une vidéo spécifique. Par contre, ce qui est important, bien entendu, c'est de venir un petit peu sur l'origine de l'humanité et comment on en est arrivé à l'humanité qui domine la galaxie. Et en l'occurrence, eh bien, il faut revenir sur justement un petit peu de l'historique de l'humanité, puisque ça se passe dans notre galaxie, hein, la Voie Lactée, et donc sur Terre, sur Terra. En l'occurrence, ce qui est important aussi, c'est de garder à l'esprit que l'humanité a beau dominer la galaxie, ce n'est pas l'âge d'or de l'humanité. L'âge d'or de l'humanité était il y a avant même le 31e millénaire, donc avant 30 000, et globalement c'était un âge d'or technologique, hein, surtout, et finalement, avec notamment des intelligences artificielles dont on va parler plus tard. Et au final, eh bien, il y a eu des cataclysmes globalement qui se sont passés dans la Voie Lactée et qui finalement ont isolé l'humanité qui commençait à prendre son envol. Et finalement, l'humanité s'est retrouvée complètement divisée en plein âge d'or, ce qui a ramené beaucoup de troubles. Et il a fallu un individu exceptionnel qu'on connaît sous le titre d'empereur, l'empereur de l'humanité, qui au final a émergé sur Terra et a rassemblé l'humanité autour de sa bannière. Ce qui fait qu'il a commencé, hein, un être vraiment exceptionnel, notamment doté de pouvoirs psychiques extraordinaires, mais on va revenir juste après là-dessus, et il va lancer la grande croisade de l'humanité, c'est-à-dire récupérer les anciens mondes humains et les rassembler sous du coup, son commandement. Donc on est sur une véritable conquête galactique, et à ce moment-là, eh bien, donc là on est en 30 000, hein, globalement, le 31e millénaire, et l'humanité devient déjà à ce moment-là la première puissance de la galaxie, d'où le fait que dans la vidéo il vous parle de domination galactique depuis 10 000 ans. Et justement, eh bien, ils vont être confrontés à pas mal de différentes menaces, notamment des menaces extraterrestres, qu'on évoquera après. Mais au final, eh bien, il va y avoir la plus grosse menace au final de l'Imperium, ça a été l'Imperium lui-même, puisqu'il y a eu des divisions qui ont émergé dans une période assez connue par les joueurs, qui s'appelle l'hérésie d'Horus. L'hérésie d'Horus, en fait, c'est tout simplement une guerre civile qui coupe l'Empire en deux, avec d'un côté le fils préféré de l'Empereur, Horus, qui va prendre les armes contre son père, contre l'Empereur, et contre globalement le reste de l'Empire, en devenant notamment le porte-parole d'une force que vous connaissez si vous avez déjà regardé ma vidéo sur le chaos, à savoir le porte-parole des dieux noirs, le porte-parole des dieux du chaos. Il va y avoir un duel épique entre les deux protagonistes, entre les deux personnages, qui sera remporté par l'Empereur, mais au prix de terribles blessures. Hein, on évoque même le fait que ce soit des blessures mortelles. Et donc, eh bien, l'Empereur va devoir être mis en stase, hein, globalement il est dans un état, il est plongé dans un coma artificiel qui va lui permettre de se régénérer, mais très lentement, hein, puisque ça fait 10 000 ans que le duel a eu lieu et il est toujours pas sorti de cette veille, donc il est gravement blessé. Mais en l'occurrence, en le mettant sur justement son trône d'or, hein, ce qu'on appelle le trône d'or, à savoir son trône, la stase, et qui permet d'avoir, eh bien, globalement surtout une représentation très importante de l'Empereur afin qu'il continue de veiller sur l'humanité et surtout pouvoir utiliser malgré tout ses pouvoirs psychiques exceptionnels afin de guider l'humanité dans le cosmos. Et en l'occurrence, eh bien, l'Empereur malgré tout n'est que l'ombre de lui-même et encore une fois il est dans sa stase, ce qui fait que certains des détracteurs de l'Empereur et de l'Empire évoquent le fait que c'est un cadavre sur un trône. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il y a une véritable divinisation de l'Empereur, hein, ce qu'on appelle l'Empereur Dieu, et on va rentrer dans un fanatisme exacerbé. L'Empereur qui de son vivant, ou en tout cas de son vivant quand il était en meilleure santé, on va dire, eh bien, voulait un empire unifié, un empire éclairé, basé sur la raison et la technologie, va constater impuissant, puisque dans un coma artificiel, une déification de sa personne, avec un empire qui va devenir rétrograde et qui va faire que péricliter, au mieux stagner, ça dépend des points de vue, on va dire. Évidemment, au sein de l'Imperium, il ne faut pas dire qu'il est stagnant, l'Empire. Et au final, on est immergé dans un fanatisme, comme je le disais, exacerbé,
qui emmène un torrent de superstitions. On en reparlera dans la vidéo consacrée à l'Imperium, mais il faut bien garder à l'esprit que l'Imperium dans Warhammer 40 000, c'est probablement l'un des états les plus violents qui puissent exister. Et quand je dis violent, c'est-à-dire une répression, et on est dans un système totalement, c'est même plus une allégorie à ce niveau-là, mais c'est un système totalement fasciste, hein, dans l'idée, hein, c'est vraiment le totalitarisme comme on n'a jamais pu imaginer son ampleur. Enfin, je veux dire, il y a des milliards de personnes qui meurent à la minute sur un petit coup de tête, en mode, oh, lui, il nous a regardé de travers et on soupçonne le fait qu'il est potentiellement, qu'il soit potentiellement un traître. Allez hop, on envoie l'exterminatus et on rase un monde entier. On est dans un univers comme ça. Donc, et encore une fois, ça vient aussi du côté humour noir des créateurs, hein, qui voulaient justement, en utilisant ce genre de, pas d'artifice j'allais dire, mais en montrant ce genre de schéma, c'était justement moquer et se moquer de ce type de situation. En l'occurrence, les agents les plus connus de l'Empire de l'Humanité, les agents de l'Imperium, sont les Space Marines. Et les Space Marines, c'est tout simplement les meilleurs défenseurs de l'Empire et les enfants de l'Humanité. On évoque même un de leurs titres, c'est tout simplement les anges de l'Empereur. Et ça représente bien ce que sont les Space Marines. Les Space Marines, c'est vraiment des humains génétiquement modifiés, et c'est en gros vraiment des super soldats, des super humains, à tel point d'ailleurs que bah, ils ont plus d'organes que les humains lambda, etc. Donc enfin, ils sont même plus vraiment humains, hein, en termes de pouvoir, enfin en termes de capacité, que ce soit psychique, au niveau physiologique, c'est presque une espèce à part en fait, hein, les Space Marines, mais ils sont considérés comme les parangons de l'humanité. Et au final, eh bien, les Space Marines sont tout simplement, comme on le disait, la plus grande force de frappe et le plus grand défenseur de l'humanité. Mais au final, comme on l'a dit avec les résidus russes, eh bien, il y a 50% des légions de Space Marines qui ont rejoint en Russe et qui ont trahi l'Empereur. Donc au final, eh bien, ça montre justement que à partir de les résidus russes, l'Imperium est profondément fragilisé. Et ça, eh bien, on en a déjà parlé. J'ai déjà fait une vidéo sur le chaos que je vous conseille, sachant que, bien entendu, c'était une vidéo principalement basée sur Warhammer Fantasy, mais au final, le chaos dans Warhammer Fantasy et 40 000 est quasiment similaire, à quelques différences près qu'on va, bien entendu, aborder dans cette vidéo. Mais en l'occurrence, la principale différence véritablement entre Warhammer Fantasy et Warhammer 40 000, c'est l'un des dieux du chaos, Slaanesh, qui est le plus jeune des dieux du chaos, que l'on va aborder plus tard. C'est vraiment ça la grosse différence, et encore, c'est même pas si différent que ça. Mais donc les quatre dieux du chaos, qui sont tout simplement les maîtres d'Horus et de sa rébellion, et donc de la moitié des Space Marines, qui ont finalement rejoint les dieux noirs. Le chaos, pour simplifier, avant que vous regardiez la vidéo dédié au chaos, c'est tout simplement globalement des démons qui viennent d'une autre dimension. Vous l'avez vu au final au début de la vidéo, il y a une espèce de saut, le vaisseau saute. En français c'était traduit la faille, mais en anglais c'est le warp, et même en français normalement on retrouve le warp. L'idée, c'est que c'est le saut en hyperespace, hein, le saut en vitesse lumière, sauf que dans Warhammer 40 000, l'idée c'est qu'il y a deux dimensions, la dimension réelle, hein, la réalité dans laquelle les humains comme nous, hein, on se balade, etc. Et il y a une autre dimension, une dimension éthérée, une dimension un peu plus psychique en fait, qui est et le warp, qu'on appelle également l'immaterium, l'empyréan, etc. Il a pas mal de noms, la mer des âmes et autres. Et en l'occurrence, eh bien, les démons sont des créatures psychiques qui viennent de cette dimension. Et en gros, pour faire les sauts dans l'hyperespace, on utilise la dimension de l'immaterium, du warp, pour pouvoir traverser plus vite l'espace réel. Donc c'est vraiment deux dimensions sœurs, et je vais vous montrer à quel point d'ailleurs cette dimension est sœur de la réalité. C'est-à-dire que les dieux du chaos vivent dans cette dimension. Et en l'occurrence, eh bien, ils sont nés justement du psyché et du psychisme tout court de la plupart des races mortelles, y compris l'humanité, qui finalement, eh bien, ont fait naître les dieux du chaos, avec par exemple le fait d'avoir la guerre qui va être et le plaisir du massacre, ainsi que la haine va engendrer psychiquement une entité que l'on appelle Khorn, l'un des dieux du chaos. Ensuite, le désespoir et la décadence vont, la mort, on va dire l'entropie, vont faire naître Nurgle. Et au final, l'ambition et le savoir vont faire naître la troisième entité du chaos, qui est tout simplement Dzinch. Slaanesh n'est pas encore dans l'équation, comme je l'ai dit, on en reparlera après.
sur les 9 légions de Space Marines du Chaos ayant rejoint justement le Chaos, chacune a ses raisons. Mais globalement, l'idée, c'est qu'elles se sont senties trahies par l'Empereur d'une certaine manière, toujours un peu différente en fonction des légions de Space Marines, et ils vont se laisser tenter par Horus, qui devient leur porte-parole, hein, qui devient leur étendard, ainsi que l'étendard des dieux noirs, évidemment. Et au final, eh bien, ils vont dédier leur vie à la mort du faux empereur, hein, ce qu'ils appellent le faux empereur, à savoir que l'empereur de l'humanité n'est qu'un faux empereur. Et eux deux, justement, eh bien, ont prêté serment de détruire son empire. Les Space Marines du Chaos se voient évidemment récompensés par leur servitude et leurs actions. Et au final, eh bien, ils vont avoir des mutations et autres qui vont être octroyées par les dieux noirs. Sachant que le Chaos dans Warhammer 40 000 ne s'exprime pas évidemment que par les Space Marines du Chaos, même si ce sont bien entendu aussi, ils font partie des meilleures légions des dieux noirs. En l'occurrence, vous avez aussi toutes sortes de mortels, hein. Vous avez potentiellement des mondes qui vont tomber sous l'égide du Chaos, avec des milliards d'humains normaux, hein, d'humains lambda, qui vont prêter allégeance aux dieux noirs. Mais il y a également d'autres races, des races aliens, qui peuvent également tomber en adoration pour les dieux sombres. C'est d'ailleurs le cas de Slaanesh. Slaanesh, qui est le quatrième dieu du Chaos, le plus jeune des quatre, qui est né également d'un cri psychique des mortels qui a engendré justement ce quatrième dieu noir qui est né aux alentours du 31e millénaire, enfin avant le 30e millénaire globalement, suite à la décadence d'une autre race très connue dans l'univers de Warhammer 40 000 que sont les Eldar. On va y revenir juste après. Les Eldar, globalement, c'est les elfes de l'univers de Warhammer 40 000, et globalement c'était l'âge d'or des Eldar, et les Eldar, eh bien, sont tombés dans un état de débauche et de décadence qui va faire en sorte que psychiquement des milliards d'Eldar, hein, qui font n'importe quoi, qui tombent dans des orgies, etc., hein, qui sont oisifs et eh bien globalement, psychiquement, ça va créer petit à petit, agglomérer tout ça, et ça va créer Slaanesh. Et ce qu'on appelle la chute, avec un C majuscule, c'est tout simplement la chute de l'Empire Eldar, avec des milliards et des milliards d'Eldar qui, d'un coup, font naître Slaanesh. Et dans son premier acte en tant que créature naissante, qui est donc fortement liée aux Eldar, eh bien, il va aspirer des milliards et des milliards d'âmes des Eldari. Et c'est sa naissance qui va d'ailleurs plonger l'humanité dans l'isolation que je vous ai évoquée précédemment, à savoir des instabilités avec des tempêtes warp, donc des tempêtes d'énergie qui viennent de l'autre dimension, qui vont altérer notre réalité. Et donc par exemple, bah, vous ne pouvez pas forcément vous devenez isolé, quoi. Les mondes s'isolent les uns des autres. Et donc ça, c'est quelque chose de très important, parce que en tant qu'ancienne puissance dominante avant que l'humanité émerge, eh bien les Eldar étaient la première puissance de la galaxie, et la civilisation Eldar s'est effondrée. Pire, à leur mort, les âmes des Eldar sont aspirées par Slaanesh, qui ne se reposera pas tant qu'il n'aura pas aspiré toutes les âmes des Eldar. Et en plus, parce qu'on pourrait dire, bon, bah, il a juste l'âme qui se fait siphonner, ça suffit pas, il n'y a pas que ça. L'âme se fait siphonner, et en plus, eh bien, derrière, l'âme sera torturée éternellement. Donc, inutile de vous dire que pour les Eldar, c'est leur pire cauchemar, en fait. Et en l'occurrence, chaque survivant du peuple Eldar doit trouver un moyen pour justement survivre à cette terrible fatalité. Et les Eldar, donc ce qu'on appelle les Eldar normaux, hein, quand on dit juste Eldar, on pense aux Eldar normaux, c'est ceux qui justement ont choisi de vouer leur vie à une vie beaucoup plus réglementée, une vie de normes, une vie stricte, qui vont se regrouper dans ce qu'on appelle des vaisseaux-mondes, des espèces d'arches de Noé, hein, si ça peut vous aider à visualiser le truc, mais des vaisseaux gigantesques, hein, pour ça le terme vaisseau-monde, et ils vont essayer de faire en sorte que la civilisation Eldar puisse rester et puisse éviter que l'espèce disparaisse, hein, globalement c'est ça. Sauf que justement, ils sont conscients d'avoir fauté par le passé, et aujourd'hui ils doivent vivre avec les torts de leurs ancêtres, et donc, eh bien, on passe par une opposition complète de ce qu'ils étaient avant, avec aujourd'hui beaucoup de normes très strictes et très réglementées pour éviter de tomber dans la débauche qui a condamné leur peuple. Donc au final, c'est une race qui est en voie de disparition, hein, globalement, les Eldar, et ils doivent assurer leur survie, et ils se protègent notamment de Slaanesh par un moyen. Si vous regardez cette image, vous avez plein de petites gemmes. Alors bien sûr, hein, comme ce sont des elfes de science-fiction, eh bien évidemment, c'est un peuple d'esthètes, de grands joailliers, etc. Mais en fait, elles ont une véritable conception, et elles ont un véritable but. C'est tout simplement que si un Eldar meurt au combat, eh bien son âme n'aille pas directement rejoindre la dimension du Warp et Slaanesh,
il puisse en fait rester, son âme reste bloquée dans une de ces gemmes. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de gemmes, parce que si jamais il y en a une qui est pétée au combat, eh bien, il faut qu'il y en ait une pour pallier à ce problème. Et ensuite, les Eldar reviennent sur place, récupèrent les gemmes de leurs sœurs et frères tombés au combat, afin de sauver l'âme de, leurs amis. Le truc, c'est qu'à l'inverse, eh bien, nous avons les Eldar noirs. Et les Eldar noirs, eh bien, c'est... on va dire les elfes noirs, bien sûr, de l'univers de Warhammer 40 000. Et le principe, eh ben, eux, c'est l'opposé. C'est-à-dire que là où les Eldar ont établi des normes très très strictes pour éviter de tomber dans l'état de débauche de leurs ancêtres, les Eldar noirs, c'est l'inverse. Ils rejettent l'idée de changer leur mode de vie, et au contraire, ils font partie des rares chanceux à s'être trouvés au bon endroit au bon moment, puisqu'au moment de la chute, ils étaient dans une dimension qu'on appelle... la toile Eldar. Et en fait, la toile, c'est quoi? Pour simplifier les choses, vous avez deux dimensions, comme je vous l'ai dit, la dimension du réel, la dimension éthérée, la dimension du warp. En gros, la toile, c'est la fine couche qui relie les deux. Et donc, ces Eldar, en étant au moment de la chute Eldar, ils étaient présents dans la toile, eh bien, ils ont pu échapper au siphon d'âme créé par Slaanesh et la naissance de Slaanesh. Et du coup, eux, bah, ils continuent leurs actes de décadent et leurs actes de débauche. Le truc qui fait qu'ils puissent s'en sortir face à Slaanesh, eh bien, pour résister à ça, ce sont devenus des espèces de vampires, ou si jamais ça vous parle, globalement les Wraiths de Stargate Atlantis, c'est-à-dire que leur objectif, c'est de faire des raids, d'aller sur des mondes, récupérer le plus d'esclaves possible, le plus de civils, etc., qu'ils vont, et de combattants aussi, hein, qu'ils vont battre. L'objectif, du coup, est d'éviter au maximum de tuer les personnes pour les récupérer. Ensuite, ils repartent chez eux, dans la cité noire de Komorag, hein, qui est la grande cité de la toile, et au final, eh bien, ils vont récupérer ces esclaves, ils vont les vendre, etc., ils vont en garder pour eux, et ensuite, qu'est-ce qu'ils font de ces esclaves? On pourrait se dire, bon, bah, ils vont travailler, tout ça. Non, 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 non. Leur objectif, ça va être de drainer l'essence vitale de ces personnes, mais notamment de se complaire de la torture psychique et physique, et en infligeant la douleur aux autres, eh bien, ils se régénèrent, et ils peuvent du coup vivre éternellement sans mourir et donc tomber aux mains de Slaanesh. Donc oui, les Eldar noirs, c'est pas très très rigolo. Ensuite, on a une autre variété d'Eldar, ce sont les Corsaires Eldar. Les Corsaires Eldar, globalement, ce sont... alors, ils peuvent s'agir d'Eldar noirs, mais également d'Eldar noirs qui veulent se rapprocher des autres Eldar, ou juste, qui considèrent que c'est le meilleur moyen de trouver des esclaves, ou alors des Eldar, des vaisseaux mondes qui sont lassés de cette vie beaucoup trop stricte et qui veulent une vie un peu plus trépidante, une vie d'aventure. Et en l'occurrence, eh bien, ils vont généralement servir d'éclaireurs et d'avant-garde, que ce soit pour les Eldar noirs ou pour les Eldar des vaisseaux mondes. Donc ils peuvent, comme je disais, servir d'éclaireurs, mais c'est aussi eux qui vont être le plus en contact avec les autres espèces, et notamment, bien, ils sont très connus pour être des marchands, des agents diplomatiques, mais bon, ça reste des pirates, hein, donc on parle de corsaires, mais au final, bon, ça reste des actes de piraterie également, pour pouvoir revendre leurs marchandises, etc. Globalement, si jamais ça doit vous aider, c'est vraiment l'idée des elfes un petit peu de Blood Bowl, hein, le côté punk, etc., ou les elfes de Warhammer Fantasy, qui sont... des elfes qui, au lieu de rester dans leur grande tour, etc., en mode très hautain et loin de l'humanité, eux, au final, eh bien, ils sont plus au contact des autres races. Voilà, si ça peut vous aider à visualiser le truc. Nous avons ensuite les Exodites. Les Exodites sont les elfes sylvains de l'univers de Warhammer 40 000. Donc c'est des Eldar qui vivent reclus sur des mondes sauvages, qui sont généralement des mondes sacrés pour les anciens Eldar, et en l'occurrence, ils ne sont pas concernés par le drame autour de la naissance de Slaanesh, et donc à leur mort, ils ne sont pas aspirés par l'entité, par le dieu noir, puisqu'ils avaient déjà choisi à l'époque de l'âge d'or des Eldar, ils avaient choisi de rejeter la civilisation décadente de leurs frères et sœurs. Donc ils vivent en espèce d'autarcie, en clan guerrier, avec une technologie assez rétrograde, hein, par rapport aux autres Eldar, mais qui reste infiniment supérieur à l'humanité, et en l'occurrence, eh bien, ces exodites vont... alors, comme je l'ai dit, la plupart des exodites sont immunisés globalement à Slaanesh, mais d'autres, eh bien, sont des Eldar qui ont fui et qui ont rejoint les exodites, et qui, eux, du coup, ont besoin d'un petit peu d'aide. Alors, soit ils peuvent se servir des gemmes esprits des autres Eldar, soit les exodites aussi, pour se cacher, pour se camoufler des démons, etc.,
ils font en place d'avoir des systèmes, ils mettent en place des systèmes de pierres gardiennes avec des gemmes et autres pour pouvoir cacher leur présence. Et ils peuvent quand même voyager de monde en monde en se servant de la dimension que je vous ai évoquée, la toile, pour pouvoir changer de monde si jamais il y en a un qui est attaqué et aider les autres peuples Eldar. On a ensuite les Arlequins. Les Arlequins, c'est une toute petite catégorie d'Eldar, mais qui est assez intéressante, puisque ce sont des Eldar qui, eux aussi, ont connu la chute de l'âge d'or des Eldar. Mais au final, eh bien, ce sont les serviteurs d'un dieu Eldar en particulier, celui qu'on appelle Segorak, qui est tout simplement un peu, pour que ce soit plus simple pour vous, le Loki du panthéon Eldar. Donc en gros, c'est les petits blagueurs, le comédien, celui qui fait des farces, etc. Et au final, à l'époque de l'âge d'or, à l'époque de l'Empire Eldar, eh bien en fait, ils étaient les troubadours ou tout simplement les bouffons globalement des autres Eldar qui étaient moqués, même si on aimait bien les avoir à la cour, histoire de faire rire un petit peu tout le monde. Imaginez des nobles ultra décadents, ils aiment bien avoir le petit bouffon pour les divertir. Sauf qu'en fait, ces Arlequins justement, eh bien, donc comme on l'a dit, c'était des marginaux, mais au final, eh bien, c'était des comédiens qui essayaient par leur représentation d'essayer d'avertir les Eldar à l'époque de leur travers, tout simplement. Sauf que malheureusement, ça n'aura jamais suffi, et lors de la chute, eh bien, Segorak, leur dieu, les sauva en les cachant justement dans la toile. Donc, depuis lors, eh bien, ils continuent d'essayer d'avertir les autres Eldar, et globalement, ils aident les différents peuples Eldar, qu'il s'agisse d'Eldar Noir, d'Eldar, d'Exodite, etc. Nous avons, on parlait de l'âge d'or des Eldar qui s'est terminé aux alentours du 31e millénaire. Mais avant les Eldar, avant l'âge d'or des Eldar, puisque bon, globalement ils ont dominé pendant des milliers, voire des millions d'années, et bien avant cela, avant les Eldar, il y avait une autre race qui était la force dominante de la galaxie, et il s'agit des Nécrons. Et le truc, c'est que les Eldar, c'était les grands rivaux des Nécrons. Les Nécrons, sachez que j'ai prévu une vidéo sur le sujet, parce que les Nécrons, ils ont beaucoup évolué dans l'univers de Warhammer 40 000, et donc j'ai prévu, pour simplifier aussi cette vidéo, de parler d'un événement qu'on appelle la Guerre Céleste. J'en parlerai aujourd'hui, mais très légèrement. On se concentrera en détail sur cette prochaine vidéo sur les Nécrons. Mais en l'occurrence, avant Slaanesh, le plus grand ennemi des Eldar, c'était les Nécrons, qui étaient la première puissance de la galaxie. Et là, on parle d'une force qui vivait il y a des milliards d'années et qui globalement a perdu la guerre contre les Eldar aux alentours de 60 millions d'années avant la période de Warhammer 40 000. Donc on parle de temps extrêmement ancien, extrêmement reculé. Les Nécrons sont vraiment la représentation des Terminators tels que on les imagine, ces espèces de machines qui ne prononcent aucun mot et qui sont là pour tuer toutes les espèces organiques et globalement les tuer et faire en sorte qu'une vie soit totalement éteinte, dépourvue de vie. Et globalement, on est sur du coup principalement l'image de Terminator, mais aussi on saupoudre ça avec les mythes de Lovecraft et l'imaginaire qui gravite autour de la période, des périodes de l'ancienne Égypte. Comme je le disais, ils ont beaucoup évolué dans le lore, donc on fera une vidéo spécifiquement consacrée à eux. Mais globalement, gardez à l'esprit, les Nécrons étaient à l'origine une race qui s'appelle les Nécrontyrs, une des premières races de la galaxie. Et au final, donc, cette race humanoïde avait une espérance de vie extrêmement faible, très très réduite, due notamment à son étoile qui avait beaucoup de rayonnement agressif. Et donc, eh bien, au final, ça a pas mal affecté l'ADN des Nécrontyrs, qui malgré tout ont survécu grâce à cette étoile, mais en même temps ça a causé justement leur tourment, c'est-à-dire le fait que globalement leur civilisation était plutôt tournée vers les ancêtres et la mort, puisque ils vivaient très peu de temps. Et en l'occurrence, eh bien, ils vont commencer à conquérir certains bouts de la galaxie, et ils vont tomber nez à nez avec l'une des plus vieilles espèces de l'univers de Warhammer 40 000, que sont les Anciens. Les Anciens, globalement, c'est une race de voyageurs cosmiques qui cherche à cultiver la vie et faire émerger la vie sous toutes ses formes à travers le cosmos. Des espèces de grands jardiniers, si jamais ça vous parle, un petit peu les Xel'Naga de l'univers de Warhammer 40 000. Et le truc, c'est que les Nécrontyrs, comme ils vivent très peu de temps, ils sont assez éphémères par rapport aux Anciens qui vivent très 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 longtemps, on ne sait pas exactement, mais bien plus que les Nécrontyrs. Et bien les Nécrontyrs, ils vont devenir extrêmement aigris et surtout extrêmement jaloux
des anciens qui en plus refusent de leur partager leur savoir sur la vie éternelle ou en tout cas une vie plus longue. Et donc ça, ça va être le moteur principal de la lutte entre les Nécrontyr et les anciens et va commencer la guerre céleste. La guerre céleste, globalement, eh bien, les anciens vont poutrer les Nécrontyr et à un moment donné, ça va pousser les Nécrons justement dans une situation en étant dos au mur, eh bien, encore plus ivres de rage d'avoir perdu, enfin d'être en train de perdre cette guerre, eh bien, ils vont se tourner vers une autre espèce, encore plus vieille de l'univers de Warhammer 40 000, les Kartan. Alors les Kartan, ça s'écrit C plus loin Tan, très Lovecraft hein, dans l'idée, donc les Ktan, sinon généralement la plupart des gens les appellent les Ktan, mais ça se prononce les Kartan. Les Eldar les prononcent les Ingir, mais ça on s'en fout. Ce sont des êtres cosmiques qui sont l'équivalent des grands anciens de Lovecraft, donc les mythes de Cthulhu, etc. Et également bon, les dieux très anciens de Warcraft, si jamais ça vous parle aussi. Et globalement, ce sont des êtres qui sont assez intéressants, puisque ce sont des êtres faits d'énergie pure. Ce sont des êtres faits de matière. Et là, vous allez me dire, pourtant, ils ont une forme physique. J'y viens. Ce sont des êtres d'énergie pure et qui sont des êtres de... En fait, ce sont tout simplement des parasites stellaires. C'est-à-dire que ce sont des êtres d'énergie pure qui vont aller d'étoile en étoile et vont commencer à siphonner l'énergie d'une étoile. Et en l'occurrence, eh bien, ils vont, on ne sait pas exactement comment, enfin il y a plusieurs versions sur le premier contact entre les Nécrons et les Kartan. Ce qui est sûr, c'est que les Nécrons vont implorer les Kartan de les aider dans cette guerre contre les anciens. Et en fait, eh bien, les Nécrons vont créer des amalgames, des colosses gigantesques faits de métal vivant. Donc là, faut pas me demander comment ça se passe, hein. Les Nécrontyr étaient aussi très avancés technologiquement. Et du coup, ces formes physiques faites de métal vivant vont servir de réceptacle pour accueillir l'énergie pure des Kartan. Et en l'occurrence, eh bien, les Nécrontyr sont toujours envieux, évidemment, des anciens. Et en plus de ça, eh bien, ils ont toujours ce problème d'avoir une vie éphémère. Les Kartan vont leur proposer, une fois dans ces réceptacles, ils vont devenir les dieux des Nécrons et ils vont leur proposer justement la vie éternelle. Les Nécrontyr ne vont pas refuser. Et c'est à ce moment-là que l'asservissement de la race Nécron va commencer, puisque ces êtres organiques vont devenir des êtres synthétiques. Et à ce niveau-là, les Kartan n'ont pas menti, hein. Ils ont accordé l'immortalité aux Nécrons, mais le truc, c'est que du coup, eh bien, maintenant, ils ne sont que leurs pantins, ils ne sont que leurs marionnettes. Ils vivent éternellement, certes, mais ils ont perdu tout le reste. Et notamment, eh bien, les Nécrontyr, en les transformant en entités de métal, ils gardent les souvenirs, etc. Leurs souvenirs, leur mémoire est gardée. Mais, en fait, les Kartan, ils ont pas fait ça gratuitement. Ça leur a permis aussi de se nourrir de toute la matière et de l'énergie, tout simplement. C'est vraiment des vampires d'énergie, globalement. Ils vont récupérer toute l'énergie des êtres, de toute la civilisation Nécrontyr. Et vous imaginez que ce sont des milliards et des milliards et des milliards d'individus. Et là, les Kartan, ils vont se dire... Purée, c'est pas mal. En fait, on se nourrissait d'étoiles, c'était vachement bien. Mais se nourrir à la fois, se nourrir d'énergie d'êtres vivants, eh bien, c'est une autre forme de nourriture et qui est plutôt savoureuse. Et là, eh bien, les Kartan alliés aux Nécrons vont tout simplement, eh bien, relancer le conflit dans la guerre céleste et ils vont dominer globalement les anciens et ils vont exploser les anciens. Là je vais passer vraiment très très vite, hein, j'ai plein de trucs, mais globalement eh bien, ils vont ravager les anciens. Les anciens, comme j'ai dit, c'est les cultivateurs de vie et les Kartan vont dévorer également et vont asservir des populations entières, des races que les anciens ont essayé de faire émerger. Et finalement, la guerre céleste, donc comme je l'ai dit, on la détaillera dans une autre vidéo, mais globalement, ça dure des milliards d'années. Enfin, ça dure des... On ne sait pas exactement combien de temps ça dure, mais ça dure très 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 longtemps, probablement des milliards d'années. Et en plus de ça, il faut imaginer que c'est un conflit à l'échelle galactique. Donc vous avez des milliards et des centaines de milliards de morts dans ce conflit. C'est très difficile de l'imaginer, mais ce qui est vraiment évoqué, c'est le fait que la vie a failli s'éteindre à ce moment-là et à plusieurs moments dans cette période de la guerre céleste. Pour vous dire, pour vous donner une échelle du conflit. Et en l'occurrence, eh bien, je passe les détails, mais globalement, à un moment donné, les Kartan vont se retourner en tant que nouvelle force dominante. Les Kartan vont se retourner les uns contre les autres. Et les Nécrons vont s'affaiblir, ce qui fait que les anciens vont lancer la contre-attaque, c'était caché depuis le temps, attendant leur heure, et finalement eh bien, ils vont contre-attaquer, notamment avec certaines de leurs créations, de leurs anciennes créations et de leurs nouvelles créations, donc d'autres
on va dire d'autres espèces plus jeunes. Notamment, eh bien, vous avez les Eldari, les ancêtres des Eldar, hein, bien entendu, et les Krorks, qui sont les ancêtres d'une race que vous connaissez généralement, les Orcs. Et en l'occurrence, eh bien, à un moment donné, les anciens les anciens veulent se baser sur le psychisme, et notamment qui a toujours été leur grande force, mais avec ces jeunes races comme les Krorks et les Eldar doués de pouvoirs psychiques extraordinaires, eh bien ça va être leur meilleur outil pour lutter contre les Kartan. Et finalement, eh bien cet affrontement galactique va avoir des effets apocalyptiques, puisque c'est à partir de cette période que le chaos, qui était déjà bien nourri à ce moment-là, va véritablement récupérer ses forces, et la création du chaos daterait de cette période. Donc avec, imagine, une guerre tripartite, Nécron, Kartan, le chaos qui émerge, les premières entités du chaos qui émergent et qui sortent du warp, et ensuite, eh bien, les anciens et leur création. Au final, ce conflit va aboutir à l'extermination quasi complète des anciens. Les Kartan vont rentrer en stase et vont donc dormir pendant des millions d'années avec les Nécrons. Et au final, eh bien, le chaos va se calmer. Et au final, c'est les jeunes races que les anciens ont poussées qui vont prendre leur domination, c'est leur heure. Donc on a déjà parlé des Eldar, mais il y a une autre race qui émerge dans justement la faiblesse, on va dire, le moment de faiblesse des Nécrons. C'est les Orcs. Les Orcs, les grands survivants de la guerre céleste avec les Eldar. Ces créatures sont évidemment incroyables et sont... Encore une fois, quand on parle de l'humour et de la satire de Warhammer 40 000 ainsi que de Warhammer Fantasy, mais dans Warhammer 40 000, les orques sont assez particuliers puisque c'est une race issue de champignons. C'est-à-dire que là où nous, on a besoin d'eau, on a besoin de nourriture pour pouvoir se développer, se reproduire, etc., les orques, eux, c'est la castagne. C'est une représentation du hooliganisme anglais, hein, globalement, mais ils sont là pour se mettre sur la gueule. On rentre, ils sont incroyablement cons, mais c'est aussi ça qui les rend incroyablement dangereux. C'est une espèce qui a besoin de la guerre, elle a besoin de la baston, et ils vont rentrer. En fait, le truc, c'est que quand un orc explose des gens, ben, y en a certains qui meurent, et en mourant, eh bien, les orcs lâchent des spores, et qui vont, avec le temps, faire émerger de nouveaux orcs. Et c'est comme ça que les orques vont conquérir globalement l'entièreté de la galaxie. Alors on sait pas trop la situation, évidemment, au moment de l'âge d'or des Eldar, les orques, ça devait être compliqué, ils ont dû pas mal se faire défoncer. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, comme ça, ça leur permet de se reproduire. Et c'est ça qui est incroyable, c'est une race extrêmement violente, et pourtant, ce sont... ils sont incroyablement violents, incroyablement excités dans tous les sens, et pourtant, ils sont terriblement dangereux, comme je le disais. Et lorsque advient la chute des Eldar, eh bien, ils deviennent la première puissance de la galaxie avant de tomber face au jeune Imperium de l'humanité. On avait parlé de la grande croisade menée par Horus et l'Empereur. Eh bien, justement, le plus gros adversaire de l'humanité à ce moment-là, c'était les Orcs. Les Orcs n'ont jamais vraiment été unis, mais à la période de la grande croisade de l'humanité, donc aux alentours du 31e millénaire, les Orcs avaient quand même quelques grands empires, et au final, ils auraient pu être vraiment... l'espèce dominante dans la galaxie, mais l'humanité les a mis au placard. Maintenant, comme je vous l'ai dit, comme pour les Eldar, les orques, ça leur va, hein, ça leur permet d'avoir un adversaire sur qui taper, on se reproduit, etc. Et je vous ai parlé du fait que les anciens ont cultivé des jeunes races, jeunes espèces, dotées de pouvoirs psychiques, incroyables. Eh bien, c'est le cas pour les orques. Sauf que c'est un psychisme assez unique. C'est-à-dire que les orques sont terriblement cons et pourtant ont des pouvoirs psychiques incroyables. Sachant que pour tout joueur de fantasy ou même de science-fiction, généralement on dit bah non, la magie, tout ça, parce que le psychisme, les pouvoirs psy, hein, c'est globalement de la magie, hein, dans l'univers de Warhammer 40 000, c'est juste qu'on l'appelle pas comme ça, c'est généralement il faut de l'intelligence. Et bien pour les orcs, c'est particulier, c'est-à-dire qu'ils sont cons comme des tables, et même la table est peut-être plus intelligente, mais les orcs, quand ils croient en quelque chose, et qu'ils vont se rassembler autour d'un orc qui généralement est celui qui est le plus grand et qui tape le plus fort, eh bien ils vont commencer à avoir une espèce, alors c'est pas un esprit de ruche, faut pas déconner, mais globalement comme ils croient tous la même chose, ça fait une espèce de super puissance psychique qu'on appelle la WAG. C'est aussi leur cri de guerre, hein, accessoirement. Mais du coup, eh bien si un groupe d'orques commence à imaginer que le rouge, c'est la couleur qui fait en sorte qu'on aille plus vite, eh bien s'ils peignent un de leurs véhicules en rouge, le véhicule rouge va effectivement aller plus vite qu'un véhicule marron. Et c'est ça qui est incroyable avec les orques. C'est qu'ils croient en leur connerie, et leur connerie fonctionne, du coup. Et une autre espèce, l'une des espèces les plus qui rentre le plus en rivalité avec les orques,
quand on parle d'orques, généralement, dans la fantasy, vous savez ce qui arrive très vite, ce sont les nains. Et bien, dans l'univers de Warhammer 40 000, il y a des nains. Alors, ils ont plein de noms, et ce sont les nains de l'univers de Warhammer 40 000. Donc, je vais vous donner pas mal de noms, mais on va rester sur les nains pour que ce soit plus simple, parce que ce sont des nains. Les squats, les cognates, les kin, les démiurges, et qu'on appelle aujourd'hui plus communément les ligues de Votan. Même si, attention, Votan, ce ne sont pas les noms des nains. Mais on y reviendra après. Ils font partie des rares espèces, dont les orques évidemment, à pouvoir vivre près du noyau galactique. Alors le noyau galactique, c'est, vous savez, ce qui est au centre de la galaxie, et là où la pression, hein, là où on va dire la gravité, les ondes gravitationnelles sont extrêmement fortes, ce qui fait que vivre dans ce milieu, c'est très délicat. Et il faut une physiologie qui s'adapte à ce moyen de pression énorme. Et donc, eh bien, il n'y a pas beaucoup de races qui peuvent survivre, et c'est le cas justement des nains et des orques. Globalement, les squats, donc les nains de Warhammer 40 000, vivent en petite communauté, généralement en guilde, et en l'occurrence, eh bien, les squats, à la base, c'est pas comme dans Warhammer, ou c'est dans Warhammer Fantasy ou dans d'autres univers où les humains et les nains n'ont rien en commun. Là, pour le coup, ce sont des ex-colons humains de l'époque de l'âge d'or technologique de l'humanité, donc avant le 31e millénaire, qui avaient colonisé des mondes aux alentours du noyau galactique et qui, avec le temps, ont évolué. Leur physiologie s'est adaptée à cette pression gravitationnelle très forte, ce qui fait que petit à petit, ils ont plongé plus au cœur du noyau gravitationnel, du cœur du noyau galactique. Et au final, eh bien, c'est devenu une espèce à part entière. Même si, évidemment, l'Imperium de l'humanité, en tant que bon gros, qui utilise bien sûr sa propagande et autres, va bien sûr cacher le fait que c'est devenu une nouvelle espèce et va les ranger au rang d'abhumains. Les abhumains, c'est généralement utilisé pour les mutants humains. Pour dire qu'en fait, ce sont des sous-hommes. Globalement, c'est ça. Il faut garder à l'esprit que l'Empire de l'humanité, c'est la race supérieure, tout ça. Et en l'occurrence, eh bien, ce qui est assez intéressant avec les squats, c'est que justement, tout dans leur manière de faire, que ce soit culturel, leur état d'esprit, etc., est en opposition complète avec les orques. Et oui, parce que là où les orques se complaisent dans la cruauté, dans la barbarie, dans la violence, sont très peu créatrices et donc vont se reposer sur leurs ennemis pour pouvoir utiliser le matériel de leurs ennemis contre eux, eh bien, les nains, hein, les squats, eux, à l'inverse, leur credo, c'est justement respecter les ancêtres, d'avoir le souci du détail, d'avoir le souci de la finesse, puisque avec leur passé de colons, ils n'avaient pas beaucoup de moyens, et donc, eh bien, ils avaient besoin de tout recycler et de faire attention aux plus petits détails, parce que, eh bien, en cas de chute, il n'y a personne qui pourra vous venir vous sauver près d'une étoile, etc. Donc, ils devaient se débrouiller et être très très minutieux. On ne gaspille pas, on récupère tout. Et donc ça a forgé bien sûr l'identité des squats, et qui finalement, eh bien, dans cet esprit de l'âge d'or technologique, avait également des ordinateurs qui les aidaient, les fameux Votan. Ces ordinateurs, c'est tout simplement des intelligences artificielles, et vraiment des intelligences artificielles, hein, pas votre bot dans votre coop versus IA, hein, vraiment une intelligence artificielle qui servait également de base de données pour pouvoir, eh bien, aider les colons humains à l'époque que sont devenus les squats. Et avec le temps, eh bien, avec le temps, les nains ont fait en sorte de, justement, de vénérer les Votan tels des dieux qui veillent sur leurs ancêtres et qui veillent sur leur descendance. Globalement, c'est vraiment une partie centrale de la société des nains, qui fait d'eux d'ailleurs des êtres de logique, des êtres de raison. La raison l'emporte toujours sur les pulsions les plus basses. Et au final, eh bien, c'est ce qui va faire aussi en sorte que quand ils partent au combat ou quand ils doivent prendre des décisions, c'est toujours une prise de risque calculée. Combien je suis prêt à mettre pour pouvoir gagner? Oh là là, c'est trop 50-50, on ne sait pas, le danger ne vaut pas le coup de la récompense, alors on évite. Et là, vous allez me dire, on est très loin des nains de Warhammer Fantasy, par exemple, qui sont prêts à sacrifier des armées entières juste pour laver une rancune. Malgré tout, il y a quand même un aspect qui parfois... Alors, ça ne veut pas dire qu'ils mettent de côté la raison, c'est juste qu'on va peut-être un petit peu moins raisonner méthodiquement. C'est justement quand il y a des rancunes qui rentrent en jeu, avec par exemple des affronts qui ont été commis, ou alors ils ont été témoins
de graves actes de cruauté, où il y a eu des insultes qui ont été proférées, etc. À ce moment-là, effectivement, des rancunes vont rentrer en jeu et ils vont vouloir faire, on va dire, laver leur honneur auprès de leurs ancêtres et à ce moment-là, corriger le tort qui leur a été causé. Sauf que, malgré tout, hein, on n'est pas du tout dans le, on n'est quand même pas vraiment dans le nain de Warhammer Fantasy qui est prêt à mourir pour tout. C'est plus tranquille, c'est quand même plus calme. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que justement, leur credo très raisonné fait que bah, ils n'apprécient pas des masses les serviteurs du chaos. Forcément, ce sont des êtres généralement cruels et au comportement extrêmement erratique. Hein. Quand vous êtes possédé par un démon, généralement, ça fait en sorte que le ciboulot, il a très très chaud. Hein, donc, on a plutôt... on a pas forcément quelqu'un de très malin dans sa tête. Donc, ou même s'il est malin, il a tendance à péter de la cafetière à un moment donné. Donc, forcément, ils apprécient pas des masses les serviteurs du chaos. Mais ça reste des marchands, donc bon, on sait pas trop. Là-dessus, ils peuvent rentrer en contact quand même. Et au final, ce qui est assez intéressant, ce qui est assez inconnu au niveau des squats, c'est leur rapport plus personnel et plus profond envers le chaos qui, lui, est assez inconnu. Sachez que dans les anciennes éditions de Warhammer 40 000, il y a eu des nains du chaos. Il y a eu des squats du chaos qui ont existé dans le lore et qui, notamment, certains ont rejoint Horus et son hérésie lors de la grande guerre civile de l'Imperium. Depuis, ils ont complètement été laissés sur le côté, même si les nains sont revenus il n'y a pas très longtemps sous le nom Ligue de Votan, hein, les nains qui servent du coup les IA. On a l'arrivée du Dark Mechanicus, hein, on y reviendra pour ceux qui ne savent pas, mais globalement c'est tout le côté mécanique de l'humanité. Et l'arrivée d'un démon machine qui est Vashtor. Peut-être qu'à terme, on pourrait avoir Ashut, le dieu nain du chaos de Warhammer Fantasy, sous une forme qui pourrait être assez différente, hein, mais reprendre cette idée et la Warhammer 40 000isée, ça serait pas forcément déconnant. Pourquoi pas venant d'un Votan corrompu ou même carrément d'une autre entité, on ne sait pas. Ce qui est certain, c'est que les ligues de Votan forment d'excellents artisans, pouvant bien sûr marchander des ressources et donc... De par ce biais, ils rentrent très souvent en contact et en diplomatie avec de nombreuses espèces au sein de la galaxie, enfin au sein de l'univers de Warhammer 40 000 et donc de la Voie lactée. Ils peuvent fournir des artisans, des ressources, des matières premières, mais également leur force de travail. Sachant qu'on sait qu'ils ont beaucoup de contacts avec les Eldar, donc les nains et les elfes qui entretiennent des relations particulières, puisque on sait qu'ils marchandent beaucoup ensemble, mais d'un autre côté... On sait que les squats ont beaucoup reproché aux Eldar de ne pas les avoir aidés dans des moments de leur histoire qui ont été très très délicats avec les orques qui devenaient de plus en plus insistants. Donc il y a aussi quelques rancunes à l'égard des Eldar. Là-dessus, ça ne vous choque pas vraiment. Sachant que les rapports des nains de Warhammer 40 000 avec les humains sont assez compliqués. C'est-à-dire qu'avec les plus fanatiques de l'Imperium, forcément... Des mecs zélés qui sont complètement superstitieux, des fanatiques qui jugent du coup les nains comme des sous-êtres, etc. Forcément, il y a clash. Forcément, on arrive sur un conflit armé. Mais malgré tout, il y a des personnes au sein de l'Empire de l'Humanité qui ont conscience des bienfaits que peuvent accorder les squats. Et donc, à ce moment-là, eh bien, il peut y avoir marchandage, il peut y avoir justement diplomatie, aide, assistance militaire, etc. Même si, bien sûr, il faut garder à l'esprit que, donc... Les ligues de Votan ne vénèrent pas l'empereur, ni tout ce que représente l'empereur, donc l'omnimessie, etc. Ça, c'est pas reconnu par les ligues de Votan. Donc, ça va poser problème à plusieurs reprises. Au final, on a donné aussi un autre nom aux squats, hein, aux nains de Warhammer 40 000, c'est les Démiurges. Et les Démiurges, ce sont des Votan qui viennent de la partie orientale, enfin ceux qui se sont le plus éloignés du noyau galactique pour marchander, et qui sont tombés au contact d'une espèce que sont les Tau. Et les Tau, eh bien, c'est comme ça qu'ils appellent les nains de Warhammer 40 000, donc ils les appellent les Démiurges. Et les Tau, au final, eh bien, c'est super intéressant, parce que c'est tout simplement la dernière race créée dans Warhammer 40 000, dans l'univers. Puisque c'est la dernière race jouable à être sortie en 2002. Depuis, il y a eu d'autres factions, etc. Mais ça reste des factions humaines ou autres. La dernière race véritablement créée pour Warhammer 40 000, c'est les Tau. Et ce qui est assez drôle, c'est que dans l'univers, dans l'histoire de Warhammer 40 000, dans le lore de Warhammer 40 000, c'est également la plus jeune race. Et ce qui est intéressant avec les Tau, c'est qu'ils sont très inspirés du mythe
qu'on se fait du mythe de Roswell et de ce qu'on s'imagine de l'alien, à savoir le petit bonhomme vert-gris, avec sans cheveux, etc., et avec des grands yeux noirs marrons, et avec, bien sûr, une très haute technologie. Sauf qu'ici, encore une fois, on voit que les créateurs de Warhammer 40 000, il y a toujours un petit peu cet esprit satirique, parodique. Eh bien ici, et ce qui est très intéressant avec Leto, c'est que le rapport alien-humanité est totalement inversé. C'est-à-dire que, bien sûr, visuellement, on se dit bon, ce sont des aliens, sauf que eux, en fait, leur histoire, c'est une espèce qui est toute jeune. Elle n'a que 6000 ans d'histoire. On parle de l'humanité qui avait au moins 12 000, voire plus, d'âge. Pour le coup, les Eldar, on a parlé de millions d'années, et les Necrons, on a parlé de milliards d'années. Donc, c'est vraiment les tout petits nouveaux dans l'univers de Warhammer 40 000 et dans l'histoire de Warhammer 40 000. Et ce qui est génial, c'est que justement, cette nouveauté est utilisée dans leur comportement. Ce sont des créatures extrêmement naïves et extrêmement candides. Et c'est ça qui les rend très intéressants aussi, c'est que eh bien, ces mecs-là, ils débarquent avec un grand sourire, plein d'idéaux, et au final, ils sont en mode hey, « est-ce qu'on pourrait faire de la diplomatie? Est-ce qu'on pourrait faire du commerce ?» Sauf que à qui ils disent ça? Ils disent ça bien sûr à l'humanité, à des espèces qui sont capables de négocier, aux Eldar avec qui ils peuvent négocier, mais aussi, ils arrivent devant des serviteurs de Slaanesh du chaos, ils sont en mode « Bonjour, est-ce que vous voulez commercer ?» Et là, il y a les mecs qui répondent, ils vont « Oui !» On va bien commercer, mon grand. Ou devant des elfes noirs, et là les elfes noirs font « Oui, oui, venez, je vais vous montrer la soute !» Allez hop. Et donc, c'est un peu particulier. Et d'ailleurs, on sait, et ça c'est assez drôle, les premiers rapports entre les orques et les taux, ont essayé de négocier avec les orques, en mode « Bah écoutez, on va parler, on va commercialiser, vous avez probablement des choses à nous offrir, et nous on a des choses à vous offrir !» Étonnamment, les ambassadeurs ne sont pas revenus, ou en tout cas pas revenus entiers, du coup, ils en ont... Ils restent bien propre, bien droit dans leurs bottes, hein, ils envoient de nouveaux ambassadeurs, il y a probablement eu méprise. Et plusieurs vagues d'ambassadeurs et de marchands qui meurent et qui reviennent en mauvais état. À un moment donné, ils ont dit, bon, apparemment les orques c'est quand même compliqué. Donc c'est ça qui est drôle avec Leto, c'est ce côté extrêmement naïf et candide qui fait qu'ils s'en mêlent les pinceaux. Et nous, en tant que joueurs, etc., on se dit, mais c'est complètement con ce qu'ils font. Mais c'est normal, ils ne connaissent pas ces races, et ils ont surtout cette insouciance qui les caractérise et cette idée que non, tout le monde peut être gentil, tout le monde peut être bien, pas de problème, on va échanger quoi. Et eux au final, évidemment, les Tau qui viennent de la bordure orientale de la galaxie sont très inspirés du Japon, vous l'entendez d'ailleurs à la musique, hein, musique officielle de Dawn of War, et également de l'Inde. Et oui, ils ont un système de caste basé sur les 5 éléments, alors c'est plutôt les éléments grecs d'ailleurs, hein, puisque c'est l'air, l'eau, la terre, le feu et l'éther, donc la caste des éthérés. Et au final, eh bien, pour une race qui a 6000 ans d'histoire, ils surpassent déjà considérablement la technologie de l'humanité. Ce qui montre à quel point ils ont un développement exponentiel, hein, une vitesse de pointe. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans leur histoire d'ailleurs, globalement, en fait, les humains ont débarqué. Les Tau étaient encore une race toute jeune qui vivait encore vraiment de côté un peu primitif. Et 6000 ans après, ils reviennent et ah oh, putain, ah ouais, ah ouais, ça a changé. Ouais. Et ça, c'est aussi intéressant pour les Tau. Et globalement, ils se basent sur l'idéologie du bien suprême qui est une inspiration directe du Bushido, du code d'honneur des samouraïs, etc. Et au final, eh bien, globalement, cette idée du bien suprême, c'est l'idée que eh bien, l'intérêt commun prédomine toujours sur l'intérêt individuel. Et au final, l'Empire Tau est probablement de ce fait la faction la plus positive de l'univers de Warhammer 40 000, parce que ce qui est intéressant, c'est que dans l'univers de Warhammer 40 000, il n'y a pas vraiment de gentils. Quand on pense Imperium contre le chaos, c'est les fascistes contre les satanistes. Donc là, c'est toujours un truc un peu comme ça. Donc ça en fait, et leur naïveté absolument ridicule fait des Tau une espèce assez comique à ce niveau-là, mais très intéressante, bien entendu. Et globalement, bah, évidemment, c'est une espèce qui met en avant la diplomatie, et notamment dans l'Empire Tau, parce que ça reste une volonté colonialiste, hein, de s'étendre et d'apporter le bien suprême à d'autres espèces, eh bien ils vont intégrer dans l'Empire Tau d'autres espèces. Vous voyez les Krouts ici, qui étaient une race assez vieille dans l'univers de Warhammer 40 000 et qui a été intégrée avec l'arrivée des Tau dans l'Empire Tau. Et au final, donc c'est des espèces d'hommes-oiseaux. Et nous avons également les frelons vespides, hein, des êtres insectoïdes. Et on a même des humains qui ont rejoint l'Empire Tau. Donc voilà, il y a cette volonté de s'étendre qui les rend assez intéressants, assez cocasses, on va dire. Une autre espèce de petits nouveaux
est également présente à l'est de la galaxie et s'étend petit à petit de manière tentaculaire. Ce sont les Tyranides. Alors les Tyranides, je leur ai consacré une vidéo, hein, une vidéo de débunkage où je parlais des Tyranides, de l'origine des Tyranides et des Zergs de StarCraft. Je vous invite très fortement à aller la voir d'ailleurs. Et globalement, les Tyranides dans l'univers de Warhammer 40 000, ils existent depuis très longtemps. Depuis la V2 et voire même avant avec la V1, etc. Des règles pour le jeu de plateau et le jeu de figurines. Mais le truc, c'est que dans l'histoire de Warhammer 40 000, les Tyranides sont arrivés assez récemment, aux alentours du 41e millénaire. Le truc, c'est que dans l'histoire de Warhammer 40 000, ils sont là depuis encore quelques milliers d'années, puisque... L'idée, c'est que, comme vous le voyez, ils sont très inspirés d'aliens, hein, et globalement, eh bien, ils vont s'infiltrer petit à petit et préparer leurs invasions. C'est la seule espèce non native de la Voie lactée dans l'univers de Warhammer 40 000. Ils viennent d'une autre galaxie. Il y a deux grandes théories qui sont apportées concernant les Tyranides. La première, c'est que tel un essaim de sauterelle, eh bien, ils iraient de galaxie en galaxie afin de dévorer toute la biomasse, avant de laisser des mondes stériles et de passer à la galaxie suivante. L'autre théorie, c'est qu'ils viennent d'une galaxie où ils sont en train de perdre une guerre galactique, un petit peu à l'image de la guerre céleste, et du coup, eh bien, ils fuient vers une autre galaxie afin de récupérer des ressources pour continuer cette guerre qu'ils sont en train de perdre. Sachant donc l'idée de qu'ils fuient un mal encore plus terrible qu'eux. Cette idée a deux, trois petits points qui peuvent un peu l'appuyer, c'est l'idée que on sait qu'ils sont capables d'esquiver certains mondes, notamment les mondes Nécron, pour éviter les problèmes. Mais le truc, c'est que bien sûr, la première théorie est la plus supportée, l'idée de l'essaim de sauterelle, hein, c'est vraiment comme ça en plus que les Tyranides fonctionnent, puisque globalement, ils arrivent en flotte ruche, et ils vont, eh bien, purement, donc c'est des êtres purement organiques, et qui ne recherchent justement que la biomasse, donc toutes les cellules, etc. On va dire l'énergie et le psychisme, pour le coup, ça rentre pas en compte. On voit que les Nécrons aspirent l'énergie, et les démons, eux, ce qui les intéresse, c'est les âmes, donc l'énergie psychique. Donc, pour le coup, les Tyranides, eux, c'est vraiment juste la biomasse, hein. ils veulent de la bouffe, quoi, hein. Ils sont là pour bouffer. Et ils vont même dévorer la biomasse, l'intégralité de la biomasse d'une planète, hein. Pour vous dire, vraiment, à la fin, il reste plus qu'un caillou, quoi. Et... c'est l'idée que c'est vraiment toute une des milliards d'êtres qui sont créés pour pouvoir détruire et aspirer la vie, enfin, et bouffer, quoi, globalement. Donc, comme on le disait, c'est un essaim de, très assimilé à l'essaim de sauterelle qui est dirigé par l'esprit de la ruche, donc cette espèce de conscience collective qui va diriger, qui va driver les Tyranides à travers la galaxie. Force psychique redoutable, hein, qui permet de coordonner des milliards d'individus dans l'espace. Sachant que ce qu'on sait des Tyranides, c'est que globalement, pour le moment, les flottes ruches qui ont déjà dévoré des mondes et des systèmes entiers ne sont que l'avant-garde de tous les Tyranides. Puisqu'ils viennent d'une galaxie à une autre, là c'est que les premiers bras des flottes ruches Tyranides. Vous imaginez l'ampleur de la menace. Et globalement, justement, un de leurs moyens pour pouvoir envahir correctement et on va dire préparer les invasions, c'est l'idée du culte Gene Stealer. Les Gene Stealer, c'est l'espèce de machin que vous avez au milieu qui ressemble beaucoup à un alien, à un xénomorphe. C'est que ce sont des agents de terrain qui vont infiltrer des vaisseaux cargo, des vaisseaux marchands, etc. et qui vont, façon la mutante ou alien, féconder l'un des leurs dans un humain ou n'importe quelle espèce, hein, ça marche d'ailleurs, afin qu'il infiltre une planète. Et petit à petit, ils vont se répandre comme ça, le culte Gene Stealer, et il va essayer de déstabiliser l'invasion cosmique et les flottes ruches Tyranides. Donc l'idée, c'est vraiment de servir de phare pour appeler et amener la flotte ruche à venir dévorer le monde, tel un fruit mûr prêt à être cueilli. Hein. Globalement, c'est ça l'idée. Donc... on arrive au bout de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Bien entendu, il y a d'autres espèces de xéno, hein, d'autres espèces extraterrestres qui existent dans l'univers de Warhammer 40 000. Mais pour ça, pour qu'elles puissent potentiellement avoir plus de temps d'écran et plus de lumière, eh bien il faudrait qu'on arrête de se masturber uniquement sur les Space Marines. Hein, on a des espèces super intéressantes comme les Oats que vous voyez ici. Les Oats, c'est qui existent dans Warhammer Fantasy, hein, avec les elfes sylvains, tout ça. Eh bien ils sont dans Warhammer 40 000. À une époque, ils étaient liés aux Tyranides, mais au final, ils ont ce côté
espèce en voie de disparition, mais qui est là depuis très longtemps, et qui sont de grands négociants, etc., qui ont des pouvoirs psychiques. On a également les Jokero, qui sont des hommes orang-outans capables de mimer la technologie, etc. Le concept est génial. On a les Slan, qui sont les hommes grenouilles, vous les connaissez dans l'univers de Warhammer Fantasy. Là, c'est pas tout à fait les mêmes, mais l'idée, ce sont les premiers-nés, les enfants des anciens, tout ça. On a les hommes de fer que vous voyez derrière, ce sont justement des entités synthétiques. Pensez aux Geth par exemple, hein, pour Mass Effect. L'idée, c'est globalement l'époque de l'âge d'or de l'humanité, eh bien, on a créé des intelligences artificielles. Et les hommes de fer, c'est justement ces robots qui sont doués d'une intelligence artificielle, donc ils savent, ils peuvent penser, ils peuvent. Ce sont des vrais êtres à part entière. On a bien entendu, j'en ai déjà parlé, mais potentiellement les squats du chaos qui pourraient faire leur retour. On a d'autres races, hein, certaines qui viennent du warp, qui viennent de la dimension de psychique et des démons, comme les asservisseurs par exemple, hein, on en reparlera dans la guerre céleste, ainsi que les Yuvas qui font très monolithe de Dead Space, hein, ces espèces de machins là qui transforment les êtres pour mieux envoyer à l'abattoir, etc. On a d'autres races, par exemple les Laer, qui sont des hommes serpents, hein, dans l'idée, et qui vénèrent notamment Slaanesh et certains dieux du chaos. Et bien entendu, il faut avoir conscience que c'est pas forcément facile, parce que comme Warhammer 40 000 se vend beaucoup sur l'humanité, on peut imaginer que c'est difficile pour eux de faire toute une nouvelle espèce, une race complète avec les figurines qui vont avec, etc. Mais par exemple, les intégrer dans des races déjà existantes. Par exemple, intégrer les hôtes dans l'Empire Tau, intégrer, je ne sais pas moi, les hommes de fer chez les nains, par exemple, pourquoi pas les Laer dans les forces du chaos, etc. Ce serait déjà cool pour montrer justement cette richesse d'espèces, parce qu'on est quand même à l'échelle galactique. On est censé avoir des milliards et des milliards d'étoiles, des milliards de secteurs spatiaux. C'est quand même dommage que l'univers de Warhammer Fantasy compte plus d'espèces que Warhammer 40 000, quoi. Mais bon, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'imagine que la vidéo est ardue et pour première entrée en matière, peut-être la revoir, etc. pour bien cerner le truc. Mais j'espère qu'elle vous aura aidé à voir un peu mieux, à voir les richesses que l'univers de Warhammer 40 000 propose. Personnellement, j'y suis depuis que j'ai 5-6 ans. J'ai commencé avec la V2 de Warhammer 40 000. C'est un univers exceptionnel, hein, qui est vraiment génial et dont on a envie de découvrir, parmi d'autres univers de science-fiction, bien sûr. Hein, tous ont des choses à proposer, et clairement, Warhammer 40 000 en a des choses à revendre. La prochaine vidéo, ce sera celle sur l'Imperium, et ensuite, on fera la guerre céleste et les Nécrons. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus dans le Lexus. Oui, bonjour. Alors, bon, c'est vrai qu'avec cette grosse voix, on pourrait dire que je suis un Slaanesh, bien sûr, un dieu du chaos, mais je pourrais être également un Kertan. Disons qu'on est un peu les moissonneurs de Mass Effect. Je trouve que beaucoup de choses ont été terriblement dites sur notre sujet. On est gentil, on en reparlera dans une autre vidéo. Voilà, bisous.